vijfde experimenteel filmfestival in Knokke duurt tot en met 1 januari. 1 januari worden de bekroonde films bekendgemaakt. 74 films uit verschillende landen komen hiervoor in aanmerking. Of dit festival boeiender is dan het vorige van 1967, durven we niet bevestigen. Le mot expérimental excite les gens dans ce sens-là. On pense toujours que l'expérimentation c'est nécessairement de la nouveauté, ce qui est en partie vrai, et que la nouveauté est presque toujours sensationnelle. C'est un défaut normal, et c'est vrai que cette fois-ci également il y a ce souhait, ce désir, cette tendance à voir si vraiment le dompteur va être mangé par le lion. Mais déjà la fois dernière, c'était le cas. Je pense que ce sera moins agité et moins violent que la fois dernière, mais encore une fois, ce sont des impressions personnelles qui ne reposent pas sur grand-chose, si ce n'est une atmosphère générale dans les arts, partout dans le monde. Les choses sont plus calmes qu'elles n'étaient en 1967. Verleden vrijdag filmden wij op het festival in het casino van Knokke. Daaruit krijgt u te zien wat er die dag naast het filmkijken te beleven viel. Ko. Long. Ba, ri, homme. Michael Lonsdale, Nuit sans lui est annoncé comme un spectacle à regarder, à voir, à entendre, à subir, mais pas à comprendre. Pourquoi pas à comprendre? Oui, j'ai un peu regretté. On a été un petit peu court. C'est pas à comprendre. J'aurais voulu mettre à comprendre d'une façon nouvelle. Enfin, c'est pas en fait à ne pas comprendre. C'est un petit peu insultant pour les gens. Ça a l'air de dire vous comprenez pas, vous n'êtes pas capable de comprendre ce qu'on va faire. C'est pas tout à fait le sens. On l'a rédigé tellement rapidement, ça qu'on n'a pas eu le temps de. Si, il faut le comprendre, mais il faut le comprendre avec de nouvelles oreilles et de nouveaux yeux. C'est bizarre que justement quelqu'un qui vient du cinéma et du théâtre fasse quelque chose comme ça. Non, si vous voyez le spectacle, vous comprendrez que c'est assez lié au cinéma finalement. Le cinéma me hante beaucoup et pour moi c'est une espèce de chose qui a trait au cinéma parce qu'il y aura lumière noire, mais d'une manière non pas à 24 images, mais disons à une image toutes les 15 minutes. Bon, c'est du cinéma très au ralenti finalement. Nuit sans nuit. Nachten zonder nacht. Een opvoering door het gezelschap Théâtre Musical van Michel Puch uit Parijs. De teksten zijn van Michel Liris en handelen over een serie dromen die hij gehad heeft. De film- en toneelacteur Michael Lonsdale voerde de regie van deze productie.
Op dit festival wordt speciale aandacht besteed aan de video. Een aantal kunstenaars, vooral Amerikanen en Japanners, laten in knokken zien welke vele mogelijkheden deze televisieapparatuur biedt. Gottfried Willem Raes, u is een beetje de leider van Logos, geloof ik. Min of meer. En jullie brengen hier in knokken politieke muziek. Ja. Bestaat dat? Wel, dat is de vraag die we ons ook hebben gesteld. En we geven daar eigenlijk twee antwoorden op die vraag. Namelijk in de vorm van twee producties die we hier brengen. Het eerste waarbij we als oplossing voorstellen dat je politieke muziek alleen kan maken in een ruimere context. Politieke mixed media, laat ik maar zeggen. Dus niet alleen muziek, omdat dat nogal burgerlijke notie is. Abstracte muziek. Maar we brengen dus een politiek mixed media werk dat als onderwerp precies die media zelf heeft. Dat dus politiek is door zijn gebruik van de media, door het duidelijk maken van precies hoe met die media gewerkt wordt, hoe transformaties en deformaties binnen informatieoverdracht geschieden eigenlijk, in een gesymboliseerde vorm althans. En dan voor het tweede werk geven we daar een ander antwoord op, in feite. Het is min of meer uit discussies binnen de groep voortgekomen. Het is ook een collectieve productie en waarin referentieel gewerkt wordt. Te zeggen, er zijn wel degelijk inhouden naar situaties in de maatschappij in aanwezig. Maar dan niet in de vorm zoals men ze meestal in zich geëngageerd noemende werken presenteert. Dus niet met slogans of zoiets, of laten we maar opmarcheren en zo. Nee, helemaal niet. We stellen gewoon de conflicten die in deze maatschappij werkelijk leven scherp. Het tweede werk bestaat dan ook uit drie delen. Een eerste, waarin de situatie van het individu geïntegreerd in de maatschappij en zijn vereenzaming midden tussen alle media enzovoort scherp wordt gesteld. Een tweede, waarbij maatschappelijke verbanden worden blootgelegd. Dus ze zeggen, het gaat over bepaalde gebieden in de wereld, over macrosystemen, sociale gehele, het werk van een economisch stelsel. En een derde wordt dan een vraag gesteld. We geven nergens een alternatief. We eindigen op een open vraag aan het publiek en aan de muzici uiteraard. Het einde van het stuk is volledig een discussie. Wat moeten wij doen? Dus vandaar de titel van het werk, Wat te doen, wat eigenlijk de titel is van het werk van Lenin. Toujours parler de films expérimentaux. Il y a toujours des recherches qui se font. Il y a toujours des gens qui essaient de trouver de nouvelles voies. Rien n'est jamais terminé, rien n'est jamais arrêté, et l'expérimentation vivra toujours. Vous ne croyez pas que c'est de plus en plus intégré dans les autres médias? Non, ça a toujours. Non. Qu'est-ce que vous voulez dire dans les autres médias que... Aussi bien dans le cinéma que dans les pièces de théâtre, que le non. Public accède beaucoup plus maintenant qu'il y a 7 ans. Oui, non, c'est-à-dire que l'expérimentation d'il y a 7 ans a été intégrée dans le cinéma et dans les autres arts. Nous espérons voir ici des expériences non encore intégrées qui seront sans doute intégrées d'ici un an ou deux. Il y a, en 67, nous avons vu par exemple un tas de films qui illustraient des tabous sociaux comme les tabous sexuels, etc. Et qui ont fait d'ailleurs, qui ont choqué énormément de gens et qui actuellement, si on les revoyait, si on pouvait les revoir ici, on se demanderait pourquoi
Ils ont choqué tout le monde. On voit dans les cinémas commerciaux maintenant des choses bien plus choquantes que ce qu'on a vu à Knock en 1967. C'est une démarche presque normale, du moins en ce qui concerne l'expérimentation superficielle, disons.